Bonjour, bonjour à tout le monde. Le bafon dit, l'eau superbe se paie. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai péché. Nous avons tous péché. Nous avons tous péché par notre silence. Nous avons tous péché par notre complicité. Nous disons parfois qu'il ne dit rien qu'on sent. C'est ce qu'on a toujours dit. Par notre silence. Par notre inaction, il y a eu encore un mort cruel au nord et au sud-ouest. La petite Caroline porte sur ses frêles épaules la colombe qui pourra nous amener vers une solution de paix durable. La petite Caroline est partie à la fleur de l'âge. Elle n'aura pas l'occasion de se présenter devant le curé, le pasteur ou l'imam. Elle n'aura pas l'occasion de se présenter devant monsieur le maire. Son père ou sa mère n'auront pas l'occasion de voir leur petite fille adorée, chérie, grandir. Ils ont perdu, je pense, la prunelle de leurs yeux. Ils ont perdu une des prunelles de leurs yeux. Le Cameroun a perdu le fer de lance de la nation. Les anglophones ont aujourd'hui une icône parmi les icônes. Les Bakwéré, d'où est originaire, les Bakossi, hein, comme les ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, les Sawa, les Haoussa, trivialement appelés, les Ékans, les Bamiléké. Toute la nation camerounaise a perdu ce qui fait l'essence même d'une nation, la jeunesse, l'enfant. Dans tout le monde, quand il y a un enfant qui subit des atrocités comme ce qu'a subi la petite Carolina, c'est un émoi terrible à travers le monde. Willy de Paris, qui est celui par qui l'idée du boycott a germé, celui qui a s'est insurgé face à ces artistes-là qui allaient chanter à la gloire de Biabi Vondo au soir du 7 octobre pour clôturer la campagne électorale. Comme il avait fait avec les enfants de Garbou, il remet ça à Paris avec la petite Carolina. Ce serait samedi 30, je pense, Mécro Saint-Ouen. Pour une possession qui va se diriger jusqu'à l'ambassade du Cameroun. Il est important que nous soyons là. Il est important que nous accompagnions cette famille. Vous savez, l'indignation ne doit pas que se faire à travers la toile. C'est important. Mais nous devons aussi parfois être présents. Je vous invite à ce qu'on se retrouve. Je dirais, c'est un petit sacrifice. Il faut qu'on soit ensemble avec Willy de Paris. Moi, j'ai des, comment je dirais ça, j'ai des obligations que je ne pourrais malheureusement pas annuler parce que je dois y être impérativement. Mais il faut que ceux qui peuvent y être, soyez-y, allez-y et soutenons, pas Willy de Paris, soutenons la famille, soutenons nos frères anglophones, soutenons le Cameroun, parce que tout compte fait, c'est le Cameroun qui est perdant. Et il est important que nous y soyons. Je tiens déjà d'abord à dire bonjour, bonjour à la marraine de la brigade anti-Sardina, les parrains de la brigade anti-Sardina qui sont Mirabel Tchamba et Yves Tchato. Je dis bonjour à Cyril, à l'Apiro, à Galbert qui se trouve de l'autre côté du continent européen. Je dis bonjour à Jordan. Je ne saurais ne pas dire bonjour à la légende, au gardien du temple, fils du planteur, qui a eu une épreuve difficile, mais vous savez, un lion ne tombe jamais, un lion se relève toujours
de ses pattes, pas un vieux lion, parce que fils du planteur, c'est un lion à la fleur de l'âge avec toute la hargne qu'on lui connaît. Fils du planteur, toute la brigade anti-Sardinat, Stacy, toutes ces femmes de la brigade anti-Sardinat, Suzanne Gatieux, tous autant que nous sommes de tout cœur avec toi et nous te disons courage, mon frère, c'est une épreuve, un accident. Dieu merci, tu es toujours vivant, ce n'est qu'un dégât matériel. Et reviens-nous vite avec la hargne que nous te connaissons. Ceci étant dit, je ne saurais commencer ce direct sans avoir une pensée pour mes frères de Bafoussam, les commerçants de Bafoussam qui ont vu leur bien, leur boutique partir en fumée. Ceci est encore pourquoi? Et il faut qu'on continue à se poser les questions. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les boutiques au Cameroun peuvent partir en fumée du jour au lendemain sans aucune indemnisation? Il n'y a pas d'assurance, l'État ne vient pas en aide aux sinistrés, mais chaque fois, c'est vous qui payez les impôts. Je ne comprends pas jusqu'où nous allons croiser les bras, jusqu'où on va attendre la providence venir du ciel, jusqu'où nous allons attendre Moïse. Moïse ne reviendra plus, mes frères. Il faut qu'on se le dise, Moïse ne reviendra plus. Moïse est venu une fois, on l'a trahi. Vous avez vu que Moïse a même chassé ces gens-là, il leur a dit, partez. Il est resté tout seul dans son coin parce qu'il était tellement déçu. Jésus a été déçu. Ça fait 2021 ans. Non, il est parti à 30 ans. Ça fait 1998 ou 1990 ans qu'on attend Jésus. 1990 ans. Oh! Oh! Quand Jésus partait, il a dit, Père, tu me laisses? Non, ils ne viendront pas. Ni Jésus, ni Dieu, ni Jésus, ni Moïse, ni Abraham. Il n'y a personne qui viendra. Ton destin t'appartient à toi. Et puis, même si Jésus ou Abraham ou qui que ce soit ou Moïse viendra, ils disent, aide-toi, et la Bible dit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi d'abord. Commence, le ciel viendra en appui. Dieu t'apportera la gloire, la lumière. Dieu t'ouvrira le chemin. Mais Dieu ne va pas déblayer le chemin pour toi. C'est toi qui dois déblayer le chemin. Si tu veux être meurtrier, Dieu te facilitera parce que c'est le chemin que tu as choisi. Si tu veux être commerçant, Dieu te poussera à aller au-delà, à te battre. Il va. Mais parce que tu as d'abord choisi. Si tu veux croiser les bras, être amorphe et attendre que Dieu le fait, il ne fera pas. Mes frères du marché de Bafoussam, comme d'autres marchés, vous allez toujours attendre l'État. Depuis quand l'État fait quoi que ce soit pour vous? Depuis quand l'État fait quoi que ce soit pour vous? Jamais. Vous dites qu'il faut les bouches d'incendie à l'hôpital. On va mettre les bouches d'incendie à l'hôpital, au marché. Ok, on va vous mettre les bouches d'incendie. Et quand il n'y aura pas l'eau, vous allez dire qu'il fallait qu'il y ait l'eau. Et quand il n'y aura pas le camion, vous allez dire que non, il n'y a pas de camion. Est-ce qu'il y a des unités de sapeurs-pompiers au Cameroun? Est-ce qu'il y en a? Un seul camion pour tout un marché. Et vous pensez que quand il y aura l'incendie, ça peut éteindre tout ça? Ça ne peut pas éteindre tout ça. Ça ne peut pas. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va très mal. Extrêmement mal. Je vois des gens qui écrivent n'importe quoi. Et on est toujours dans cette démarche de toujours écrire. Écrire. Être sur Facebook, écrire. Oui, je suis sur Facebook. Hein. C'est tout à fait normal qu'on soit sur Facebook. Moi, j'aimerais qu'on soit sur Facebook pour dire aux Camerounais, l'heure est arrivée. L'heure est venue. Ne m'attendez pas au Cameroun. Ça, si je le dis, je ne partirai pas au Cameroun. Parce que ce que je fais ici, je l'ai fait au Cameroun. Je ne vais pas me répéter là-dessus. Ce que je fais ici, je l'ai fait au Cameroun. En 2008, lors des émeutes de 2008, j'étais dans l'action. Avant 2008, aller au commissariat du 3e, on me connaît là-bas. Moi, je n'ai pas de problème. Aller au commissariat du 3e, on me connaît. Allez à Makéa, qui était mon fief, on va vous dire que je ne rigolais pas avec les policiers. Allez demander, on va vous le dire, je ne rigolais pas avec les policiers. Ça, c'est pas quelque chose de caché. Et le vendredi, quand moi, je faisais la sécurité à la mosquée,
Même si tu t'appelais Paul Biya, tu ne passais pas. Allez demander à la femme de votre ministre de la Défense ce que moi je lui ai fait. Allez demander. Ou alors, si vous ne voulez pas croire, allez à Makéa, à la mosquée malienne, demander. Parce que même l'imam avait été arrêté ce jour. Allez demander ce que je lui ai fait. J'ai fait ça au Cameroun. Hora, pas en cachette. Je dis pas en cachette. J'ai fait évader un prisonnier parce que j'ai bastonné le policier, la garde prisonnière. Et je n'ai pas fui. Hein. Allez demander, je n'ai jamais fui. Je suis resté à Makéa. Allez demander à papa, le chef du quartier Makéa. Bon, les affaires que les gens ont dit que tu bavardes parce que tu es. J'ai fait ça au Cameroun. J'ai fait ça dû au Cameroun avant de venir ici. Il faut arrêter vos histoires que viens, on part, viens. Non, 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 non. Je l'ai fait au Cameroun. Aujourd'hui, je suis sur Facebook. Je n'oblige personne à adopter la méthode qui est la mienne. Mais je sensibilise et je dis exactement ce qu'il faut faire. Je pense. Moi-même, je le fais déjà à mon petit niveau, je le fais. Chacun d'entre nous le fait à son petit niveau. Vous savez, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est les méthodes qui divergent, mais on a tous le même objectif. Et avoir le même objectif, du coup, on ne doit pas se battre entre nous. Non, chacun doit plutôt expérimenter sa méthode. Chacun doit mettre son téléphone et parler à ceux qui l'écoutent, ceux qui peuvent l'écouter et qui pourront transmettre le message. C'est vrai que l'embrouillamini, c'est-à-dire mélanger beaucoup de trucs à la fin, le discours n'est plus audible. Il aurait été préférable que nous ayons un même discours. Mais comme nous ne pouvons pas avoir un même discours parce que d'autres ont décidé de faire autrement, c'est leur problème. Ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, peut-être qu'ils vont nous rejoindre. Je disais tantôt que j'ai vu des gens écrire. Elekam veut embrouiller les Camerounais. Elekam veut mettre dans la tête des Camerounais qu'il n'y a pas eu tant. Oh. Elekam ne veut pas. Non. Si nous sommes encore dans Elekam veut, c'est que nous avons un sérieux problème. Je vais revenir un peu en arrière. Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir un peu en arrière. Il y a quelque temps ici, nous disâmes à tue-tête, à corps et à cri, non au gré à gré. Nous écrivâmes, écoutez, je ne suis pas français, hein, j'essaie de bricoler. Moi. Nous écrivâmes à tue-tête, non au gré à gré. Le gré à gré ne passera pas. Le gré à gré est monté, le gré à gré est descendu. Oh, il faut faire barrage au gré à gré. Il faut faire ceci au gré à gré. On le disait avant, il y a des mois. Aujourd'hui, nous sommes en face du gré à gré et on continue à dire que Elekam veut nous embrouiller. Elekam ne veut pas nous embrouiller. Elekam nous embrouille. On n'est pas dans Elekam veut nous embrouiller. Nous vous disons tous les jours qu'ils sont dans une logique de conservation de pouvoir. Ils sont dans une logique de conservation du pouvoir qui, pensent-ils, est leur patrimoine inaliénable. Il faut que les gens le sachent. C'est un patrimoine qui leur appartient et c'est inaliénable. C'est leur chose à eux. Ça n'appartient à personne d'autre. Bon, ils sont dans cette logique de conservation. Et quand on veut prendre quelque chose à quelqu'un qui est dans une logique de c'est ma part, je ne laisse pas, on ne va pas de main morte. On le lui arrache. Si nous ne voulons pas le gré à gré, nous devons arracher cela. Et on n'arrache jamais quelque chose dans la sympathie. On arrache quelque chose dans la rancœur. On arrache quelque chose avec ses tripes. Avec ses tripes. Oui, nous arrachons des choses avec nos tripes. Pas avec, comment je vais dire ça? Aïe, sauvé par le gong. On arrache des choses avec les tripes. On n'arrache pas des trucs en bavardant. On n'arrache pas des trucs en disant, ah non, on va le faire d'une autre manière, la manière douce. On a essayé la manière douce. Les anglophones en 2017-2016 sont sortis avec l'arbre de la paix. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? De la chicotte, du bâton, de la brutalité.
Ils sont sortis avec les armes? Non, ils sont sortis avec le fumkan, comme on dit chez nous. Ils sont sortis avec l'arbre de la paix. Et rien d'autre. Ils sont sortis avec l'arbre de la paix. Et rien, mais rien d'autre. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont en prison aujourd'hui. Il y a des milliers de morts tous les jours. Il y a des milliers de morts tous les jours. Les marches de janvier 2019, sont-ils sortis avec une calache? Sont-ils sortis avec, comment je vais dire ça? Avec des fusils, des machettes? Ils sont sortis avec la paix. Ils sont sortis avec la paix. Ils ont été emprisonnés pour cela. Les marches de février, de septembre 2020, 22 septembre 2020, sont-ils sortis avec des kalachs? Ils sont sortis dans la paix. Et ils sont aujourd'hui en prison. Ce qui veut dire que ce régime dictatorial ne connaît pas ce qu'on appelle une marche pacifique. Ne connaît pas ce qu'on appelle des revendications pacifiques. Ils ne le connaissent pas. Ils sont dans une logique où c'est leur pouvoir et quiconque essaie de mettre un grain de sable à l'intérieur, cette personne-là se fera arrêter, embastiller, torturer. Bibou Nissak, qui était chez lui, a-t-il même marché? Il était chez lui en paix. Aujourd'hui, il croupit en prison. Le professeur Alain Foguet, je vois des gens afficher leur amitié avec le professeur Alain Foguet tous les jours, que ce soit en photo ou en... Quand il est allé chez le président élu, là, c'était pour bagarrer avec quelqu'un. Au contraire, il est allé calmer une situation. Mais aujourd'hui, il est en prison. Aujourd'hui, il est en prison. Il n'y a pas question de logique de paix. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas dans une logique de destruction massive. Nous sommes dans une logique de récupérer le pouvoir qui appartient au peuple. J'entends les gens dire, ah non, nous allons organiser une grande manifestation et après, ils vont tomber. Admettons même que le régime dictatorial du RDPC laisse que l'opposition organise une grande manifestation. Admettons, vous organisez cette manifestation-là. Vous avez 20 000 personnes à Yaoundé, 20 000 personnes à Douala, qui vont partir chanter Paul Biya, dictateur, Macron, complice. Paul Biya, dictateur, Macron, complice. On leur a dit de 14h à 20h. Ils vont chanter en ordre, dans la paix, de 14h à 20h. Ils rentrent chez eux s'asseoir. Qu'est-ce qui va changer le lendemain? Dites-moi, qu'est-ce qui va changer le lendemain? Rien du tout, rien ne changera. Et si vous voulez organiser encore une marche dans 2 semaines, et ils vont vous laisser encore marcher dans 2 semaines. À partir du moment où vous n'allez pas brutaliser la police, où vous n'allez pas foncer, où vous n'allez pas vouloir peut-être aller à l'Assemblée nationale, faire sortir des députés, ben, ils vous laisseront marcher. Ils vous laisseront marcher. Non. Non. Si nous disons que nous sortons pour faire partie Paul Biya, ben ce serait chaud. 100 000 personnes qui sortent, mais c'est pour aller dire à Paul Biya, mon frère, aujourd'hui là, tu ne restes plus à étudier. Et quand on va dire à Paul Biya que tu ne restes plus à étudier, c'est pas dans la paix. C'est pas en allant chanter les slogans. Paul Biya, dictateur, machin. Il est dictateur, c'est connu, c'est mondialement connu qu'il est dictateur. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Absolument rien. Et les CAM, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, sont des organes de conservation du pouvoir. Et les CAM ne pourra jamais laisser l'opposition camerounaise gagner une élection. Voulez-vous faire confiance
aux gens qui n'ont pas eu foi aux yeux. Mais dites-moi, comment pouvez-vous faire confiance? C'est-à-dire, vous avez une organisation réputée internationale, mondialement connue comme Amnesty International, qui elle-même est capable d'identifier ses membres. Mais on va prendre quatre malabars en Europe, on les amène au Cameroun. On fait passer ces gens-là comme étant les membres de Amnesty International. Ou du je ne sais de quelle organisation. On vous dit qu'ils ont été envoyés pour superviser les élections. Et eux, ils viennent vous dire que tout s'est bien passé. Bon, vous avez une bande de malfrats, de voleurs, qui sont capables d'inventer des personnes qui n'appartiennent à aucune organisation. Ils viennent vous faire passer ces gens-là pour cette organisation-là. Vous croyez que ces gens-là sont dans une logique de peur, qu'ils ont peur des Nations Unies. Mais si Paul Biya avait peur des Nations Unies, c'est que si Sekou Ayok Tabé n'est plus en prison, c'est qu'il n'y aurait plus de prisonniers politiques. Parce que même les Nations Unies ont demandé la libération de tous ces prisonniers-là, l'OMS et les Nations Unies, pour la crise de la COVID, comme à l'instar d'autres pays qui ont essayé d'expurger les prisons. Paul Biya a libéré qui? Qui a-t-il libéré? Et quand on va prendre des gens, des blancs, tout blancs là, on les amène au Cameroun. On vous dit que c'est Amnesty International qui a envoyé ces personnes-là. Et vous dites que vous attendez que Elecam vienne vous dire exactement le nombre de personnes qu'ils auront dans leur fichier. Ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas. Avec toute la campagne médiatique qu'il y a eu, tout le porte-à-porte qu'il y a eu pour que les gens aillent s'inscrire. Et là, quand viendra vous dire demain qu'il y a eu 7 millions, il y a eu 300 000 personnes de plus qui se sont inscrites. Sans compter les morts, sans compter les doublons. En réalité, il y a combien? Peut-être il y a 2 ou 3 millions de Camerounais qui sont inscrits, selon Edekam. Parce que tout le reste là, c'est des personnes fictives. Et nous sommes là, on croise les bras, on dit que Elecam va. Elecam ne va pas. Elecam est en train de faire le gré à gré. Le gré à gré est en train de se passer au Cameroun. Ngongo est devenu président devant nos yeux. Aucun membre de la société civile camerounaise n'est capable de parler. Aucun membre de la société civile camerounaise, sous d'autres cieux, sous d'autres cieux, des milliers de Camerounais seraient dehors. Mais je me souviens, je pense, en 90, ou en, oui, en 89, 90, quand Paul Biya venait à Douala inaugurer, j'habitais à Bépanda, j'habitais à Croix-Mort, quand il venait inaugurer la régie Fercam et Intelcam, parce que les deux sociétés ont été inaugurées le même jour, les deux sociétés, Intelcam et la régie Fercam. Il a d'abord commencé à la régie Fercam, pour ceux qui disent que tu es sénégalais. Il a d'abord commencé à la régie Fercam avant d'aller à Intelcam à Bépanda. Ce que j'ai vu à Garoua, mais je me suis plongé là-dedans. C'est comme ça que nous étions alignés au bord de la route pour voir Paul Biya applaudir quand il passait, quand. Vous avez Ngongo qui est devenu le président de la République du Cameroun. Et on attend encore, c'est-à-dire, on attend le jour où il va le faire, où ce serait officiel pour dire que maintenant. Non, mais oh, si on n'anticipe pas, on n'arrivera pas. Si nous n'anticipons pas maintenant, nous n'allons pas y arriver. Et ça, il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas le jour où on va se réveiller le matin, que Biya est mort depuis 10 ans. Ou depuis 20 ans, ou depuis hier, qu'ils ont tout organisé, verrouillé tout, qu'ils ont mis les militaires et les gendarmes partout. Quand on va nous dire que Paul Biya est fini, Paul Biya est mort, maintenant c'est un gouvernement de transition qui va être là pour 6 mois, et nous connaissons comment ça se passe, ces histoires de transition. Quand ils arrivent, c'est pour 6 mois. Après 6 mois, ils disent que non, ça n'a pas marché, 6 mois encore. Après 6 mois encore, ils disent que ça n'a pas marché, 6 mois encore. Après, c'est eux qui viennent encore se présenter aux élections. Après avoir tapé 2 ou 3 ans, ils ont déjà conforté bien leur assise sur place.
Dites-moi aujourd'hui là, on babade pour babader là. Dites-moi aujourd'hui, si tu te réveilles à 6 heures, tu trouves les gendarmes, les policiers partout. Toi, nous qui avons peur là aujourd'hui, nous allons mettre notre nez dehors. Personne ne va mettre son nez dehors. Personne ne mettra son nez dehors. Personne ne mettra son nez dehors. Si nous n'anticipons pas maintenant, nous n'aurions que nos larmes pour pleurer. Je dis que si nous n'anticipons pas maintenant, nous n'aurions que nos larmes pour pleurer. Je me souviens encore d'un live que le général Valsero faisait, je pense c'était en juillet 2018, il faisait son live à 7h. Marc Seigneur Ivo avait intervenu dans ce live et moi aussi. Et je disais au général Valsero, il s'était même fâché ce jour. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Si vous allez aux élections, ils vont voler cette élection et nous allons contester après. Et rien ne changera. Je le lui disais dans ce live. Il s'était fâché, il a dit non, mon général, si vous y allez, ils vont voler comme ils ont volé depuis. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et nous allons toujours rester là. Si nous ne voulons pas anticiper dessus maintenant. Si nous n'anticipons pas. Si à un moment, on ne se rend pas compte, on ne veut pas se rendre compte que le Cameroun va mal. Nous n'aurions que nos yeux pour pleurer. Souvenez-vous, j'étais à l'Assemblée nationale la première fois, après l'audition, quand j'étais à l'Assemblée nationale. Quand je suis sorti de là, j'avais fait un live. J'avais fait un live il y a moins de trois mois. Je pense que c'était en juin. J'avais fait un live à ma sortie de l'Assemblée nationale où je vous disais qu'il y a des forces qui sont en train de se préparer, que Ngongo est en train de vouloir s'asseoir. Il y avait une petite bagarre entre le clan Frambia et un autre clan. Sachez qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est le clan breton qui a pris le pouvoir. Et Ngongo appartient à ce clan breton qui a des ramifications avec les clans israéliens. C'est le clan breton qui a pris le pouvoir au Cameroun. Ngongo est juste en train de s'asseoir tranquillement au pouvoir au Cameroun. Sous nos yeux, nous sommes là, nous regardons. Je ne vois pas tous ces professeurs agrégés là. C'est un sujet contre ça. Et c'est parti pour 50 ans. Oh Cameroun, jusqu'où tes enfants vont rester inertes. J'étais dernièrement au Réa avec les étudiants de la Sorbonne. Il y a une Camerounaise qui disait, oh, il faut changer la mentalité des Africains. Ils prennent la route, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont des voleurs. Dites-moi, sérieusement, jusqu'à 82, quel est le Camerounais qui pouvait imaginer voler l'argent de son frère? Quel est le Camerounais qui pouvait imaginer tremper dans la corruption? Jusqu'en 1982, quel Camerounais était formaté à voler? Si, il y avait des voleurs, mais c'était minime. Vu que la prison de Yaoundé, la prison de Douala, de Niebel, avait été construite pour, je pense, 1000 détenus. Toutes ces grandes prisons que vous voyez là, cette grande prison-là, c'était pour 1000 détenus. Bon, ce qui veut dire qu'ils ne s'attendaient même pas à avoir 300 ou 400 détenus en prison. 1000 était le maximum. Pourtant, nous étions déjà des millions. Même en Arabie Saoudite, tout on coupe le bras, on coupe... Il y a des voleurs, oui. Mais c'est trop petit. Parce que les risques encourus sont énormes. Quel est le Camerounais qui était formaté à aller arracher le terrain de quelqu'un que c'est mon terrain, je prends Rora? Quel Camerounais? Vous savez pourquoi? Parce que
il y avait, même si c'était la dictature, une espèce de justice qui était rendue. Dites-moi, si en 82, un Camerounais pouvait avoir le courage de brûler son frère parce qu'il a volé. Dites-moi. Dites-moi si en 1982, un Camerounais pouvait être brûlé dans la rue parce qu'il a volé. Quand on attrapait le voleur, on l'amenait à la police. On ne le lynchait pas. Les Camerounais ont connu cette histoire quand l'homme du renouveau est arrivé. Quand l'homme du renouveau est arrivé, il faut qu'on se réveille. Mes pères, mais réveillons-nous. Quel est l'avenir que vous voulez laisser à vos enfants, à vos arrière-petits-enfants? Déjà, vous, vous vivez la misère. Comment vont vivre vos enfants et vos petits-enfants? Eux, alors, ce serait catastrophique. J'ai vu une vidéo d'Equinox hier qui m'a sorti de mes tripes. Je ne parle pas de la cruauté des parents, mais je parle de la petite fille que je regardais, une petite fille de 17 ans. Elle avait l'air, quand j'ai vu la première fois, d'avoir 12 ans. Mais regardez bien l'image de cette petite fille. Figez cette image-là quelque part dans votre tête ou dans vos têtes. Eh bien, c'est à quoi les Camerounais vont ressembler dans 20, dans 10 ans, dans 5 ans. Oui, c'est exactement à quoi les Camerounais vont ressembler. La malnutrition va être grave au Cameroun. Je vous dis qu'ici en Europe, hein, ceux qui sont là, qui ont croisé les bras, qui attendent tout de la diaspora, vos soeurs, vos tantes ne vous enverront plus rien bientôt. Il y a des endroits où la baguette coûte déjà 1,20 €. Je dis la baguette coûte 1,20 €. Il y a des endroits où ça coûte 1 €. Déjà, 650 francs le pain en France. Le carburant veut tuer les Français et même l'Europe. L'inflation en Europe est, waouh, c'est monté en flèche. Le problème avec l'Europe, c'est que quand l'inflation monte, on trouve des mécanismes pour atténuer cette inflation. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. L'inflation monte, le pouvoir d'achat baisse. On est là, on dit on va faire comment? On va faire comment? C'est on va faire comment qui tue le Cameroun. C'est on va faire comment qui va nous tuer et qui nous tue à longueur de journée. On va faire comment? Ah non, je ne veux pas voir mes enfants mourir. Non, mais nous sommes déjà des morts. Écoutez, ceux qui meurent dans nos hôpitaux là, c'est les enfants de qui? C'est les enfants des Israéliens, des Somaliens ou des Béninois. C'est les enfants des Camerounais. C'est nos mères, c'est nos pères, c'est nos frères, c'est nos sœurs qui meurent dans nos hôpitaux. Pendant ce temps, si Brenda a un problème au doigt, elle prend un avion. Pendant ce temps, si l'idiot de Jean de Dieu Momo a un problème, ah, il ne peut pas venir en Europe sinon en cachette. Il prend un avion, il va se faire soigner au Sénégal où il y a un hôpital un peu plus meilleur que les mouroirs que nous avons à Yaoundé ou à Douala. Je me souviens de la belle époque du Cameroun. Qui connaissait le délestage au Cameroun? On va me dire que oui, il n'y avait pas 3 millions de personnes. Mais gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et la démographie d'un pays se prépare des années à l'avance. Aujourd'hui, en France, on est en train de préparer la France de 2030, de 2050, de 2035. Ça se prépare. Gouverner, c'est prévoir. Si en 82, nous étions 6 millions ou 10 millions de Camerounais, ben, il fallait prévoir qu'en 90, on devait prendre, la population devait grandir de 3, 4, 5%, de 10%, de 20%. Prévoir qu'en 2010, on serait en 1990, on pourrait avoisiner les 13 millions. En 1999 ou en 2000, on pourrait avoisiner les 20 ou les 25 millions. Ainsi de suite. C'est ça, gouverner. Quelles sont les infrastructures qu'on met pour accompagner ce développement et cette croissance, comment je vais dire, cette croissance démographique? C'est ça, gouverner. Et quand on est incapable de le faire, ben c'est normal. Quand on voit un pays dégringoler, c'est normal. C'est normal.
Aujourd'hui, l'industrie qui prospère au Cameroun le mieux, c'est l'industrie de l'alcool. Si je commence même à rentrer un peu au Cameroun en arrière, il y a même pas qui vont. Allons-y, allons-y, allons-y un peu. Si je commence une chanson, je vais mettre les commentaires là. Ok, je remets les commentaires. Si je commence une chanson. S'il vous plaît, sécurisez le live. Comme on dit que je ne suis pas Camerounais là. Il y a une chanson qui passait à la radio parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé. Hier, nous étions dans l'obscurité. Hier, nous étions dans les ténèbres. Aujourd'hui, continuez. Continuez. Je ne vois rien. Pour les nez, hier, là. Ça, c'était la chanson publicitaire de la Sonel. Aujourd'hui, grâce à la Sonel, nous sommes éclairés. Il y a quoi? Si tu as chaud, si tu as soif, sors de chez toi, voilà. Voilà panache. Ça, c'était le Cameroun. Ça, c'était le Cameroun. Non, oui. Si tu as chaud, si tu as soif, sors de chez toi, voilà panache. Panache. Dedans, il y a du soleil. Si tu ne connais pas, essaye. Un petit peu plus de pamplemousse. Ça, c'est le Cameroun que nous avons vu grandir. C'est le Cameroun que nous avons connu. Vous avez le Cameroun où il y avait les bus de la Sotuc. Ahidjo avait prévu la démographie au Cameroun et le Cameroun allait au rythme de cette démographie-là. Je dis que quand je suis arrivé en Europe, j'ai eu la chair de poule. Que le Cameroun de 85, 86, 87 que j'ai connu, les résidus d'Ahidjo, mais je l'ai vu, le bus qui venait à l'heure. À ce que nous appelons aujourd'hui le marché central, qui était à l'époque le marché Lagos. Pour les néyéyé là qui viennent me dire que tu es même Camerounais. Ça s'appelait à l'époque le marché Lagos. Tu avais les bus à l'heure. Là où il y a la poste aujourd'hui, oui, là où il y a la poste aujourd'hui, c'est là où la loterie nationale avait implanté ses trucs. Il y avait plein de kiosques des, comment on appelle là, flottants le jeu de la loterie nationale là. Même comme il y a beaucoup de flottambo dans la Révolution, on appelait ça le flottambo. Il y avait les bus au marché Lagos, qu'aujourd'hui vous appelez marché central. C'était le marché Lagos. Les bus pile poil à l'heure. Si tu voulais aller à Bepanda, si tu voulais aller à Yongyong, si tu voulais aller à où que tu voulais aller, il y avait les bus. Et pile poil, pas un bus. Il y avait un grand parking de bus. Dès que l'autre part, l'autre se garait. Si l'autre était prévu à 10h, il partait à 10h, l'autre se garait. J'ai dit au Cameroun de 85. Aujourd'hui même, on pousse encore, on pousse. Il y en a même. La Socature est venue, il y en a encore. Il n'y a plus. Et on est là, on dit Paul Biya Ayop. Paul Biya Ayop. Matin, midi, soir. Paul Biya Ayop. Paul Biya Ayop. Mais dis donc. Wow! Réveillons-nous. Mes frères, il faut que chaque Camerounais soit conscient qu'il ne doit jamais attendre le dernier jour pour se réveiller. C'est maintenant qu'il faut commencer. Il faut que chaque Camerounais soit le maître de lui-même. Il faut que chaque Camerounais soit son propre guide. Il faut que chaque Camerounais soit son propre examinateur de conscience. Personne ne doit guider ta conscience. Réfléchis et prends des décisions qui incombent, qui vont avec ta réflexion. Demande-toi quel est le Cameroun que tu veux laisser pour tes propres enfants, pour tes petits-enfants. Demande-toi si Paul Biya a amené le Cameroun vers la sécurité pour tes enfants, vers une sécurité sociale, vers une ascension sociale normale. Si tu ne fais rien aujourd'hui, c'est les enfants de Ngamou-Djoumissi qui vont remplacer Ngamou-Djoumissi. C'est les enfants de Jean de Dieu Momo qui vont remplacer Jean de Dieu Momo. C'est les enfants de comment il s'appelle? Betty Assomo qui vont remplacer Betty Assomo.
C'est les enfants de Louis Paul Motazé qui vont remplacer Louis Paul Motazé. C'est les enfants de Paul Biya qui vont remplacer Paul Biya. Bref, c'est les enfants de la caste qui vont pérenniser la caste. Et tu ne vas rester qu'un larbin. Tu ne vas rester qu'un déchet. Tu ne vas rester qu'un fait-valoir. Qu'un moins que rien. Oui. Pose-toi la question. Vas-tu attendre qu'un gongo s'asseye au pouvoir présidentiel, sur la chaise présidentielle pour te réveiller? Il faut se réveiller maintenant. Il faut se réveiller aujourd'hui. Et quand vous avez des hommes qui vous lancent des alertes, je ne parle pas de moi, mais quand vous avez des personnalités qui vous lancent des alertes, qui vous disent qu'ils sont en train de le faire, alors croyez ces hommes-là, ils le font déjà. Ils sont dans cette logique. Et pas depuis hier, mais depuis 2018 et bien avant 2018. Biya prépare sa propre succession. Après Biya, si nous ne faisons rien, ce serait une continuité de Biya. Oui, mes frères. Je suis là comme un pauvre pasteur de l'église, hein, comme un pauvre prêtre. Je vous dis ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas la clé, hein, je n'ai pas la solution idoine. Mais je pense que tout compte fait, si chacun d'entre nous réfléchit, il va se rendre compte que, hey, mon frère, il va falloir contester. Il va falloir se mettre dans la rue. Il va falloir dénoncer à haute et intelligible voix ces personnes-là. Le Sud nous a montré l'exemple. Le Sud nous a montré l'exemple. Il n'y a rien de plus fort que la désobéissance civile. Les gens vont me dire que Gandhi était pacifique. Non, Gandhi n'a jamais été pacifiste. Quand tu demandes aux gens de désobéir, de faire une désobéissance civique, ou c'est civil ou c'est civique, ça a des conséquences. Cela a des conséquences. Je prends un exemple très simple. Nous décidons de faire des villes mortes, de ne plus payer des impôts, de ne plus rien faire. Malgré cette dictature, il y a des Camerounais qui ne vont pas se soigner. Par exemple, l'hôpital n'aura plus d'électricité. Il y a des gens qui ne pourront plus avoir, ou bien qui verront leur opération être repoussée au néo-dental, ou je ne sais pas quand, ou bien à Mathusalem. Et ces personnes-là ne pourront infiniment attendre une opération. Elles mourront. C'est les conséquences d'une désobéissance civile. C'est aussi simple que ça. Alors, par ton mot d'ordre, tu as tué une personne. Tu n'es pas pacifiste. Si tu participes à la mort, même involontaire des gens, tu n'es pas pacifiste. Et sous cette logique-là, je dis que Gandhi n'a jamais été pacifiste. Lui qui était le chancre de la désobéissance. Et même ses propres partisans à lui, pour encourager la désobéissance, semait la terreur. Oui, il semait la terreur. Pas Gandhi, ses partisans. Parce que c'est généralement c'est ce qu'ils font. Quand vous avez des hommes politiques qui ont des esclèmes à gauche, des esclèmes à droite, ainsi de suite, quand c'est bon, ils endossent. Quand c'est pas bon, ils disent « Ah, c'est eux, c'est pas moi ». Gandhi, lui, personnellement, il n'a jamais dit d'aller casser la boutique de quelqu'un parce qu'il a désobéi. Non. Mais ses partisans le faisaient. Prenons conscience, mes frères. Camerounais, Camerounaise, où que tu sois, le Sud t'a montré l'exemple. Demain, vous allez voir ce qu'un gongo fera. Demain, vous allez voir ce que le gouvernement fera. Ils vont construire des routes au Sud. Ils vont leur donner de l'électricité. Ils vont améliorer d'une certaine manière leurs conditions de vie pour garder intact leur socle granitique qui est en train de vaciller. Pour obtenir cela, pour obtenir, même si on veut dire n'importe quoi, la rencontre fraternelle du Sud part d'où? Ça part d'où? Ça part du fait que les gens ont bloqué des routes. Ça part du fait que les gens ont brûlé des institutions. Ils ont exprimé leur mécontentement à travers cela. Ça n'a pas été suivi ailleurs. Parce qu'on attend l'homme providentiel, on attend le Messie, on attend Jésus qui viendra nous dire « Allez casser ».
aucun homme politique. Et sachez-le, aucun homme politique qui concourt au suffrage universel ne vous dira lui-même d'aller casser quoi que ce soit. N'attendez jamais cela d'un homme politique. Jamais. Même s'il meurt d'envie, il ne vous dira jamais. Il vous demandera de prendre vos responsabilités. Mais aucun homme politique, ça ce n'est pas le langage de l'homme politique. C'est pour ça qu'en 1990, 91, quand l'Union pour le changement s'est créée, en aucun moment ils n'ont demandé à un Camerounais d'aller casser une boutique, d'aller brûler les pneus sur la route. En aucun moment. Ils ont dit, nous organisons les villes mortes et ils sont restés tranquilles. Mais ils ont laissé aux agitateurs tels que Lapiro Nyamba et Bouamassa de faire cela. Aucun homme politique qui concourt au suffrage universel ne vous dira d'aller casser, d'aller brûler, d'aller faire ceci. Aucun homme politique. Cabral Ibi l'a fait, mais c'était un jeune. Aujourd'hui, il n'est pas capable de le faire. Il a dit, j'ai dit à mes partisans d'aller se mettre avec les bidons de ça. Mais néanmoins, il a eu ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, avec un peu du recul, il ne peut pas le dire. Et même s'il le dit, ce serait dans un français alambiqué, il va vous faire comprendre que normalement, si le peuple est opprimé, le peuple peut se défendre d'une autre manière. Mais c'est la responsabilité du peuple, pas sa responsabilité à lui. Alors, il faut être naïf. Il faut être idiot, il faut être imbécile, il faut être dénué de connaissances, de réflexion. Même le cerveau du moineau que j'ai là est conscient qu'aucun homme politique ne me dira jamais, je vous ordonne d'aller casser les boutiques ici, d'aller casser les magasins là-bas. Il se fait arrêter sur le champ. Et pour ça, il joue avec les mots. Il fait la contorsion des mots. Mais il ne le dira jamais. Il va vous appeler à réfléchir. Il va vous appeler à penser par vous-même. Il va vous dire, prenez vos responsabilités. Ils sont en train de vous voler. Allez-y. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Il ne vous dira jamais d'aller brûler la préfecture. Ah non, il ne fera pas. Et même si dans son entourage on veut le faire, eh bien, il fera en sorte de ne jamais être au courant. Secret de Polichinelle. Je connais pas. Pas vu, pas pris. Je n'étais pas là, bon, c'est pas moi. Mais il est parfaitement au courant. Hein? Peut-être derrière. Peut-être même il organise. Vous n'allez pas me dire que les John Frundi n'ont pas organisé des choses ou bien tous ces illustres personnalités qui étaient autour de lui, qui ne savaient pas ce qui se passait. Ils le savaient très bien. Mais pas vu, pas pris. Je n'étais pas là. Je n'ai pas participé directement. Non, ils ont des émissaires qu'ils envoient aller faire ci, aller faire ça. Mais eux, ils sont en back-office. Et vous attendez qu'un homme politique qui concourt de plus au suffrage universel vienne vous dire, il faut vous lever. Il faut qu'on aille casser les boutiques en deux côtés. Il faut qu'on aille mettre les roues partout au Cameroun. Il faut qu'on mette le Cameroun à feu à sang parce que Paul Biya va partir. Il ne dira jamais. Il ne le dira jamais. Même quand un homme politique appelle à une marche de contestation, vous pensez vraiment, vous le croyez là? Vous pensez vraiment que derrière son crâne, derrière sa tête là, il ne pense pas à une agitation quelque part? Qu'il ne pense pas que les gens doivent se bouger, affronter la police? Si, il le pense derrière sa tête. Mais il ne dira jamais que nous allons aller marcher pour casser. Aucun homme politique n'appelle à une marche pour aller casser. Un homme politique appellera toujours à une marche pacifique. Un homme politique appellera toujours à une marche pacifique. Regardez ce qui s'est passé à Dakar, au Sénégal, avec le mouvement Yanamar. Qui a délogé Abdoulaye Wade? Quand les hommes de la société civile et les hommes politiques se sont mis ensemble, est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient tout casser? Non. Ils ont dit que c'était pacifique. Mais nous avons vu ce que cela a donné, ce que cela a engendré. Et nous avons vu ce baobab-là tomber.
Et nous, au Cameroun, on attend que l'homme politique qui concourt au suffrage universel vienne nous dire, oh, mes frères, mes soeurs, mes sympathisants, mes adhérents, levons-nous, allons brûler les roues dans les rues, allons faire ceci. Non, un homme politique, c'est un homme républicain. Et il adopte cette posture républicaine. Parce que d'abord, il se dit, si moi aussi je suis au pouvoir, est-ce que je vais laisser les gens brûler le pays? Est-ce que je laisserai les gens aller casser les institutions? Il dira, non, si moi je suis président, je ne le ferai pas. Alors pourquoi je le ferai si c'est un autre qui est au pouvoir? Officiellement, je ne le ferai pas. Officiellement. Mais officieusement, cet homme politique nourrit cet espoir que le peuple se lève, se déchaîne. C'est à l'issue de ce déchaînement de rage, de colère, de frustration encaissé depuis des années. C'est à l'issue de cela que nous arriverons à changer les choses dans notre pays. C'est à l'issue de cela que cet homme politique-là espérera arriver au pouvoir. Non, nous ne voulons pas le faire. Nous, le peuple, pas l'homme politique, nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. On attend l'homme providentiel. Je suis l'homme providentiel. Tu es l'homme providentiel. Parce que tu décides pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Chacun d'entre nous est un homme providentiel. Dans une situation où on ne parle que de survie, on dit toujours que seuls les plus forts survivent. Pourquoi? Pourquoi seuls les plus forts survivent? Parce qu'ils se battent. Mentalement, physiquement, spirituellement, toutes les formes, ils se battent pour pouvoir survivre. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils ont la volonté de survivre. Et ils se battent. Et ils se battent. Et ils se battent. Et ils se battent. Oui. Seuls les plus forts survivent. Seuls. Nous n'allons pas croiser les bras, attendre que l'homme politique vienne nous dire ce que nous savons déjà. C'est à chaque citoyen de prendre ses responsabilités. Et il a dit, j'ai fait ma part, faites le vôtre. Il ne vous dit pas quel est le vôtre. Pour lui, il a fait sa part. J'ai fait ma part. À chacun de faire sa part. Il n'a jamais déterminé un canevas où chacun doit faire sa part. Sa part était sa part pacifique. Et l'homme politique, républicain. Il n'y a aucun homme politique qui te dira, je ne suis pas républicain. Je ne suis pas légaliste. Je ne suis pas pacifiste. Il n'y a aucun homme politique. Jean-Marie Le Pen, quand il soulevait les foules, quand il envoyait son venin, et quand tu es déjà à son nom, au nom de son parti, au nom de son idéologie, n'avait jamais ouvert et dit publiquement aux gens, allez tuer un arabe parce que les arabes sont ceci, les arabes sont cela. Il n'avait jamais dit. Et les gens n'ont pas attendu qu'ils disent, allez tuer les arabes, allez tuer les noirs, allez tuer ceci. Non, le temps de Hitler est révolu. Le temps de Hitler est révolu. Même George Bush, pour aller attaquer l'Iran, l'Irak autant pour moi, avec tout l'arsenal militaire qu'il avait, avec toute la puissance qu'il avait, a dû trouver des contorsions pour y aller. A dû trouver des contorsions pour y aller. Eh ben oui. Eh ben oui. Attendez-moi, on va voir. Espérons pas quoi. Il a dû trouver des contorsions pour y aller. Il a fallu que le général Colin Powell vienne aux Nations Unies avec une fiole qui dise que oh, ça, c'est une preuve que Saddam Hussein fabrique ceci. Il a fallu qu'on aille chercher des gens qui viennent témoigner. Oui, on a vu, on a fait ceci, on a fait cela. Et puis il y est allé. Vous voyez, il a tourné. L'homme politique, c'est pareil. S'il veut faire quelque chose, il ne vous dira pas. Surtout quand il s'agit des choses aussi délicates. Parce que oui, un soulèvement, c'est délicat. Un soulèvement, c'est très délicat. C'est très délicat, un soulèvement. Ah ouais.
Bon, mes frères, à ceux qui pensent que c'est dans la paix, c'est votre croix le plus absolu, je le dis encore. Mais quant à moi, je vous dis, ce n'est pas dans la paix. Ngongo est en train de s'installer au pouvoir. Et si nous ne faisons rien pour faire barrage à Ngongo, Ngongo va s'installer au pouvoir. Si nous ne faisons rien pour faire barrage, ce serait un remplacement de personnes par le même ADN. Le même ADN. Le même sang. La même lignée. La même envie de conservation de pouvoir. C'est comme la royauté. Vous avez déjà vu des rois qui veulent que d'autres personnes viennent prendre leur pouvoir. Regardez ce qui s'est passé au Japon. Regardez un peu ce qui s'est passé au Japon où la princesse était obligée de renier ses parents, de renier ses racines pour épouser l'homme qu'elle voulait. Parce que la royauté n'a jamais voulu qu'un sang, comme ils disent, impur. Il fallait une lignée royale. Vous savez, je ne suis pas toutologue, hein? Je ne connais pas tout, mais j'ai petit truc que je vois. Je ne peux pas aller en profondeur dans certaines choses que je ne connais pas. Je préfère me taire. Mais vous savez, on dit toujours que les riches marchent avec les riches. Le meilleur ami de l'homme riche, c'est l'homme riche. Le meilleur ami du pauvre, c'est le pauvre comme lui. Le meilleur ami du sorcier, c'est le sorcier comme lui. Le meilleur ami du méchant, c'est le méchant. Le meilleur ami du traître, c'est le traître. Qui s'assemble, se ressemble. Si tu mets le blanc et le noir, ça donne une autre couleur. Ça ne se ressemble pas, ça ne s'assemble pas. Si tu mets le blanc et le blanc, ça match. Si tu mets le noir et le noir, ça match. Si tu mets le marron et le marron, ça match. Si tu mets quoi que ce soit avec quoi que ce soit, mais ça match. Tranquillement, tranquille. Ça match. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est normal. Ceux qui sont au pouvoir à Yaoundé ne mettront que ceux qui ont la même couleur que la leur pour que ça puisse aller de pair. Je disais au Japon, il y a une reine qui voulait épouser un avocat. La famille a dit non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui ne nous ressemble pas, un routurier. Non, ce n'est pas possible. Pendant 3 ans, ils ont mené la vie dure à la reine, à la princesse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Partez avec vos histoires de princesse. Je ne suis plus enlevé ça sur moi. Partez avec. On lui a donné 1 million. Elle a dit non, allez avec votre argent. Bête, je n'ai pas épousé mon pauvre type. Je l'aime, je l'adore. Ils se sont mariés hier. Réfléchis pour toi, mon frère. Il est temps. Il est temps que nous envahissons les rues de Douala, de Yaoundé, de Bamenda, de Bertoua, de Kousséri, de Garoua, de partout. Et j'ai encore vu une image avec Ngongo qui m'a fait mal. Oh, mes frères du Nord, jusqu'à quand allez-vous être la serpillière du Cameroun? Pas de fille aînée. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez rien du tout. Absolument rien. Absolument rien. Vous êtes exactement comme les gens du Sud. Vous avez tous vos élites au sein de l'appareil étatique, mais vous n'avez rien du tout. Eux au Sud, au moins, ils ont eu les couilles des hommes de se lever. Mais vous, mes frères du Nord, on vous aligne là comme des mbala, vous restez là comme des moutons. Oui, je le dis, on vous aligne comme des moutons, vous restez, vous applaudissez. Vous n'avez pas de quoi envoyer vos enfants à l'école. Vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants. Vous n'avez pas de quoi abreuver vos enfants. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous n'avez rien. Mais toujours quand il s'agit du RDPC, vous abhorrez les boubous. Vous vous placez là. RDPC, oye. RDPC, oye. Paul Biya, oye. C'est pour ça que vous êtes toujours des laissés pour compte. Et c'est pour ça, malheureusement, que c'est toujours dans notre communauté qu'on retrouve des mendiants. Regardez vous-même. Allez faire... Je ne nous insulte pas, mais c'est la réalité. Parce qu'au lieu de se battre pour avoir un avenir meilleur, pour donner un avenir meilleur à nos enfants, nous préférons rester des éternels esclaves. Nous préférerons rester des éternels esclaves.
Les enfants du Nord sont des enfants intelligents. Les enfants du Nord sont des enfants qui ont la niaque, qui veulent s'en sortir. Mais vous, nos parents, vous nous avez tués, vous nous avez livrés à l'échafaud gratuitement, juste pour une bière, juste pour un kilo de viande, pour un kilo de riz que vous allez manger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'allons-nous manger demain? On vous aligne, vous vous alignez pour saluer le nouveau président du Cameroun. Ça ne vous dérange pas. Mes frères du Nord, j'ose croire que le réveil du Cameroun viendra de vous. Mais quand je vois ces images, je me dis que nous sommes encore très loin du compte. Et mes frères intellectuels du Nord, jusqu'à quand? Jusqu'à quand n'allez-vous pas prendre les devants et conscientiser notre peuple et conscientiser nos frères de l'urgence de se mettre ensemble pour le Cameroun de demain que nous voulons? Jusqu'à quand, vous, l'intellectuel du Nord, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer à jouer ce petit jeu mesquin qui, de plus en plus, affame nos populations? Regardez à Yaoundé, à Garoua, à Maroua. C'est nos enfants qui sont addicts aux drogues. Et c'est fait exprès. Combien d'enfants du Nord prennent de la drogue, sont les meilleurs clients, comment on appelle ça encore, oh purée, j'ai pensé à ça, du tramol. Quels sont ceux qui ont amené cette histoire du... C'est nos enfants. Et la meilleure façon du RDP, c'est d'abrutir nos enfants, c'est de leur faire consommer du tramol à longueur de journée. Ils ne peuvent pas réfléchir. Essayez de faire les comptes. Vous avez des sociologues, vous avez des anthropologues. Essayez de faire un peu des statistiques. Vous verrez que s'il y a 1 million de jeunes au Cameroun qui prennent du tramol, 990 000 sont les enfants du Nord. Ce n'est pas exagéré. Si vous avez dans la rue, les enfants de la rue à Yaoundé ou à Douala, beaucoup plus à Yaoundé, un peu moins, mais toujours à Douala, 90 ou 80% de ces enfants viennent du Nord. Et on va toujours dire, Paul Biya, oye, pendant ce temps, notre jeunesse, une première génération est tombée, une deuxième génération est tombée, une troisième génération est tombée, et nous avons des élites au Nord. Nous avons des intellectuels au Nord. Qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur pense. Sachez, mes frères du Nord, il y a une chanson que j'aimais écouter quand j'étais petit. C'est un Wadjo, et cette chanson s'appelle Wadjas. Dunya undemere, dunya, dunya, dunya undemere, dunya undemere, nananido, wallahi, dunya do undemere. Dunya do chede mahunde mere. Wato amai amai tan adilata be chede made. Kosisi adilata be chede ma. Kosisi. Wato amai amai an. Wala hunde fere. Dunya hunde mere. La villa c'est rien. Ko amari sudu 20 étage. Ko amari kodume. Wato amai. C'est fini. Il n'y a plus rien. A toi, Maïro. Paul Biya Wallade. Kava Yege Dibri, voilà. Amadou Ali, voilà. An Beala. An Beala. Voilà. Kodadama, voilà. Il n'y a personne qui sera avec toi. Tu meurs là, Biya ne serait pas là. Et on ne va pas t'enterrer avec la vie du RDPC. Tu meurs, milliardaire que tu sois, 1750. Adil Anbe, 1750.
Boro Dieu di Libereta. 1750. Où c'est Boro Chapandi di, où c'est comment? 1700, tu meurs, tu pars, on attache, on achète de paille, on coupe, on t'emballe avec ça. Dis-nous, mais barlockman. Aladi Abo, Aladi Gadourou, Aladi Kossam, Walako, Aladi Kossam, Amayan, Amayan. C'est fini, tu es mort, il n'y a pas Aladi Kossam, il n'y a pas Aladi Lé, il n'y a pas Aladi Gadourou, il n'y a pas Aladi Tignere, voilà. Amayan, Amayan, Dounia Hunde Mere, Soudouma Hunde Mere. Milia Amari Hunde Mere. Aïjo, Aïjo, Odilibe Tchede Makona. Aïjo, Amaya Senegado. Odilibe Dalana. On en cam. Mes frères, prenons conscience. Prenons conscience que le Cameroun, ce n'est pas Bafoussam, ce n'est pas Douala, c'est le Cameroun qui nous appartient et qui est en train de sombrer. C'est nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, oui, la proportion, le Nord a la plus grande partie de cela. Hein. Le Nord a la plus grande partie. Mais nos enfants même au Sud, sont en train de payer les frais du tramol. Nos enfants, regardez ce qui se passe dans nos écoles au Sud. Quand je parle du Sud, je ne parle pas du Sud Cameroun, du Sud profond. Je parlais de la partie septentrionale. Maintenant, je parle de la partie Sud. Je divise le Cameroun en deux. Nos enfants du Sud, regardez ce qui se passe dans nos écoles. Où le professeur, le maître ne peut pas parler à un élève. Il dit, c'est à moi mon frère, idiot. Les enfants qui engueulent les professeurs et tout. Regardez nos enfants. Regardez nos enfants. C'est une génération qui est en train de s'abrutir. Regardez comment vos enfants, quand ils vont en boîte, ils ont 200 Guinness. S'il n'y a pas 200 Guinness, ils ne font pas snap. L'alcool. Mes frères du Nord, c'est la drogue. Nous, au Sud, c'est l'alcool. Alors là, champion du monde, tu vas sortir des études. Toi, la mère qui va te placer là, tu danses. Paul Bia, Paul Bia, Shoga. Tu as 90 ans, tu es là, tu tournes ton corps, tu dis Paul Bia, Shoga. C'est la malédiction. Paul Biashoga, il a préparé l'avenir de Brenda Bia. Il a préparé l'avenir de ses enfants, de ses frères, de ses cousins, de ses cousines. Tu n'en fais pas partie. Tu te réveilles le matin à 4 heures, c'est toi qui vas au champ. À 4 heures, c'est toi qui vas au marché. C'est toi qui nourris ton enfant de 30 ans. Tu peux chanter Paul Biashoga. Toi, ma mère de Consamba, tu peux chanter Paul Biashoga. Toi, ma mère de Souza, tu peux chanter Paul Biashoga. Toi, ma mère de Banganté, tu peux chanter Paul Biashoga. Mais c'est toi qui te réveilles à 5 heures pour nourrir ton enfant. Ton enfant de 35 ans avec ses deux femmes, ou sa femme à la maison et ses deux enfants. C'est toi qui les nourris. C'est toi qui te réveilles le matin qui envoie ton enfant à l'école. J'ai dit, hein, toi qui payes l'APE là, Brenda Bia connaît ce qu'on appelle APE. Vous avez déjà entendu un jour que Brenda ou Junior a payé l'APE? D'où vient-il que c'est vous qui devez payer les professeurs? D'où vient-il que c'est vous, comme des moutons? Vous, oui, mes frères Camerounais, comme des moutons, d'où vient-il que c'est vous qui devez payer les professeurs? Que font vos impôts? Où font vos impôts? L'argent qu'on dépense pour tuer les gens au Nord, que ce soit les anglophones, que ce soit les militaires, cet argent-là pouvait payer l'APE au Cameroun. Tout ce qu'on a dépensé au Nord, là, pouvait payer l'APE au Cameroun pendant 50 ans. Pendant 50 ans. D'où vient-il que c'est vous? Brenda Bia connaît comment on paye l'APE? Que fait-on de la TVA? Que vous payez? Oui, si vous ignorez, sachez que chaque parent paye la TVA. Sur quoi que ce soit que tu achètes, même le cube magique que tu achètes, tu payes la TVA dessus. C'est un impôt. J'entends souvent des idiots qui sont en Europe dire que c'est l'argent de mes impôts. Comme si moi je ne payais pas la TVA, comme si je ne payais pas mes factures, comme si je ne payais pas l'assurance ou comme si je ne payais pas quoi que ce soit. Je paye les impôts aussi. Même si ce n'est que la TVA, c'est un impôt. Et toi, on te dit de venir payer 24 000 par enfant pour une TVA. Tu payes. Tu payes le manuel scolaire. Pendant qu'ici, eux, ils sont en Europe ici. C'est l'État qui donne le manuel scolaire. Chaque Camerounaise et Camerounais qui a son enfant en Europe. Sachez, mes frères Camerounais,
que chaque parent a reçu au minimum 200 euros pour un enfant ici en Europe. Malgré tous les impôts qu'ils disent qu'ils payent là, ils récupèrent ça. Hein. N'allez pas croire qu'ils payent les impôts là. Vous entendez, je paye les impôts, je paye les impôts, mais c'est toi qui as, comment on appelle ça, la CAF. C'est toi qui as l'aide au logement. C'est toi qui as l'aide à ceci. C'est toi qui mets les courants gratuitement. Je dis, chaque enfant, ici en Europe là, ils vous disent que la vie est dure. Oui, la vie est dure. On paye les impôts, mais on récupère ces mêmes impôts là. Est-ce que vous savez que pour le carburant là, chaque Français va recevoir 100 euros pour amortir le carburant? 100 euros. Est-ce que vous savez que pour payer le vélo, c'est-à-dire le vélo, ton vélo, ton propre vélo, l'État te donne 500 euros. Il y a des régions où ça va même jusqu'à 700 euros pour payer un vélo. Même si le vélo coûte 1000 euros, tu ne sortiras que 300 euros de ta poche. Parce que la région, l'État, tous contribuent pour que tu puisses avoir ton vélo. Et c'est les mêmes qui vous disent que non, asseyez, vous ne sortez pas. Parce qu'ils sont ici, ils vivent bien. Et vous, vous vivez la galère. Est-ce que vous savez qu'ici, dans ce pays où je suis, pour acheter une voiture, par exemple une voiture électrique, tu peux avoir jusqu'à 6500 euros gratuitement que l'État te donne pour que tu puisses acheter ta voiture. C'est-à-dire, je prends une voiture de peut-être 20 000 euros. Tu as 6 000 euros que l'État te donne pour financer ton achat. Et tu as une reprise sur ta voiture qui peut aller jusqu'à 5 000 euros. C'est-à-dire, même ton ancienne voiture, ta brouette là, on te la reprend à 5 000 euros aux frais toujours de l'État. Bon, à toi seul, tu as 11 000 euros pour une voiture de 20 000. Bon, tu ne sors même que 9 000 euros. Et tu sais comment tu payes? 100 ou 200 euros par mois pendant 2 ou 3 ans ou 4 ans. Ça dépend de ce que tu vas vouloir, les mensualités. Tu peux même payer 50 euros même pendant 5 ans ou 10 ans. C'est ton problème. Et vous êtes étonné quand vous les voyez, vous croyez qu'ils ne roulent pas sur l'or. Tu ne veux pas te lever parce que tu dis que c'est les enfants des Bamileke. C'est le problème des Bamileke. C'est le problème des Bamileke. Je ne me mets pas dedans. Comme si toi au sud, à Vormekala, dans ton école là, il n'y a pas l'APE. L'APE ne concerne pas. Non, tu ne connais pas l'APE. Comme si toi au sud, quand tu passes à l'hôpital, c'est la plus grande hôpital, la plus propre qui est au Cameroun. Quand tu tombes malade, tu appelles le 18, on vient te prendre à la maison avec un sourire jusqu'aux oreilles. Non, en Vormeka, toutes les rues sont climatisées. À Ebolowa, toutes les rues sont climatisées. À Akombe, oulala, c'est les échangeurs multidirectionnels que tu vas trouver. Oui, c'est les affaires des autres, ce n'est pas chez nous. Parce que chez nous, nous vivons, nous, chez nous, c'est petit New York, c'est petit Paris, c'est Santa Barbara, c'est Los Angeles, c'est Chinatown avec les autoroutes superposées les unes sur les autres. Ah oui. Pourtant, tu payes l'APE. Pourtant, tu vends le manioc. Tu pars cultiver au champ, tu n'arrives même pas à faire sortir ta... C'est-à-dire, ce que tu as pour envoyer ça en ville, tu n'arrives pas à faire sortir. Si tu as cultivé 10 tonnes de bananes, c'est 2 tonnes qui arrivent en ville. Avec toutes les tracasseries du monde, tu peux payer l'APE. Pendant ce temps, Brenda prend l'argent de ton APE pour se balader à Paris, pour venir à Tene Plaza. Tu dis, hey, les enfants là sont partis faire quoi même là-bas? Non, regarde-moi les maudits. C'est toi qui es maudit. C'est toi qui es maudit. C'est tes enfants qui sont maudits. En disant cela, tu maudis ta famille. Tu maudis ta mère, comme tu maudis toi-même. Ce n'est pas moi que tu maudis. Parce que moi, je me bats. Parce que la brigade anti-Sadina se bat. Parce que nous nous battons pour que vous puissiez avoir une vie meilleure. Pour que vous ne puissiez plus connaître cette histoire d'APE. Excusez-moi. Moi, je vous le dis. Nous nous battons pour ça. Je me battrai demain, quel que soit le président qui arrive au pouvoir, qu'on supprime ces bêtises d'APE. Où vont l'argent de nos impôts?
Nous sommes fiers de dire je suis birois. Hey, je suis birois. Mais nous voulons tous. Qui n'aime pas l'armée de son pays? Qui n'aime pas l'armée de son pays? Qui? Nous aimons l'armée de notre pays. Nous aimons l'armée de notre pays. Mais dans la voiture, quand cette armée est confrontée à un ennemi extraterritorial, si l'armée du Cameroun, face à Boko Haram, mais je suis birois. L'armée du Cameroun, face à Boko Haram, je suis birois. L'armée du Cameroun, face au Tchad, je suis de l'armée nationale. L'armée du Cameroun, face aux Camerounais, je suis contre cette armée et je combattrai cette armée. Et c'est ça être patriote. L'armée a pour vocation de défendre les frontières, de défendre le pays contre des attaques extérieures. Je suis contre une armée qui tue son propre peuple, à tort ou à raison. Quand il s'agit de son peuple, alors ce sont des revendications légitimes. Et ça dépend du politique. Et ça ne peut que se régler politiquement, pas militairement. Et tout militaire bien formé dira à son supérieur, ceci c'est un problème politique. Nous ne sommes pas dans le maintien de la paix. Parce que cela relève du maintien de la paix. Cela relève de la police. Et même pas de la gendarmerie qui est un corps de l'armée. Et la police a encore un cadre légal bien défini. Oui, laissez-moi lire les clés que je suis vous le dire. La police a un cadre légal bien défini. C'est le maintien de la paix. Ce n'est pas la destruction de la vie. Je suis contre l'armée qui va brûler des villages. Contre l'armée qui va brûler des femmes et des enfants. Fut-il le nom d'une guerre, de sécession, de séparation, je n'en sais quoi. Nous sommes contents, nous sommes fiers qu'on prend l'argent des Camerounais pendant des années. Des milliards qui auraient pu servir à construire peut-être des routes. Qui auraient pu servir à que vous ne puissiez pas payer les APE. On va dépenser dans une guerre qui finalement, qu'on le veuille ou pas, que ceux qui bombent le torse ou pas, cela va se régler de manière politique. Dans un an, dans 6 mois, dans 10 ans, ce serait de manière politique. J'ai entendu des éminents professeurs vous dire en Corse, il y a eu. Oui, mais n'oubliez pas que le problème corse a trouvé une grande partie de sa résolution dans un processus politique. On va me dire la Catalogne, n'oubliez pas que le problème catalan a trouvé une bonne partie de ses acquis dans un processus politique. On va me parler du Pays Basque. Le Pays Basque a trouvé une bonne partie de ses résolutions politiquement. Omar El-Béchir l'a fait au Soudan. Cela s'est soldé par une négociation politique. J'entends les gens me dire, ah, nous sommes en paix. Nous voulons la paix. Non, 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 nous voulons la paix. On ne veut pas la guerre chez nous. Mais de facto, vous avez exclu les anglophones du Cameroun. Et pour un pacifiste, c'est une contorsion qui dépasse l'entendement. Un pacifiste ne peut pas soutenir ceux qui sont en guerre. Non, ne soutenez plus les anglophones. Sinon, à leurs yeux, vous devenez hypocrite et ils vous considèrent comme tel, même s'ils rient avec vous. Ne soutenez plus les anglophones. Les pacifistes ne doivent jamais soutenir les anglophones. Vous pouvez dénoncer, hein? Il y a eu tuerie parce que vous êtes pacifiste. C'est dans votre rôle. Un pacifiste qui dénonce le meurtre d'un enfant, d'une femme, une maison brûlée, c'est tout à fait son rôle. C'est tout à fait normal. Mais un pacifiste qui se met aux côtés de ceux qui prennent les armes, qui soutient Fimacha, qui soutient nos petits, qui soutient quand il y a un camion militaire qui a explosé, n'est plus pacifiste. Il est en contradiction avec sa propre idéologie. Un pacifiste
pacifiste ne peut pas soutenir Phil Marshall. Un pacifiste ne peut pas soutenir Nupiti. Un pacifiste ne peut pas se réjouir du fait qu'il y a eu une voiture qui a explosé, il y a eu un militaire qui a été tué. Il ne peut pas se réjouir. Non. Il ne peut pas. Mais si tu te mets avec en train de publier quelque chose de Fimacha, de Nupiti ou un truc de ce genre, tu ne peux pas être pacifiste et guerrier. Ça ne donne pas. D'un côté, tu dis non. Ça, c'est chez nous, les francophones, nous voulons la paix. On ne veut pas la guerre. Mais chez les anglophones, si on a brûlé, par exemple, une préfecture, tu cries, ouais, les anglophones ne rient pas. Ils ne donnent pas de lait. Non, ils ont massacré le régime tyrannique de Biya. Mais quand c'est les francophones, tu dis que non, vous voulez qu'on casse le pays là. Vous voulez qu'on détruise nos écoles. Vous voulez qu'on casse nos routes. On ne veut pas de ça ici. Allez faire ça là-bas chez vous au Sénégal. Allez faire ça là-bas chez vous. Non, il faut être cohérent. Tu ne peux pas dire que tu veux la paix chez toi et aller soutenir quelqu'un qui est en guerre, qui tue. Hein? Tu ne peux pas le dire. Ce n'est pas ça un pacifiste. Ou vous restez pacifiste dans la logique pacifiste jusqu'à la guerre. Mais c'est de votre droit et je ne vous combats pas là-dessus. Et je ne vous impose pas ma ligne ou la ligne qui est la nôtre. Ou celle que je pense, ou ma vision, ou la vision de masse. Nous ne vous imposons pas cette vision. Nous ne devons pas être en guerre. Nous ne devons pas être en guerre. Chacun doit pouvoir avoir ses armes. Moi, je disais, je parle aux Camerounais. Mes frères Camerounais, vous qui avez des sœurs, des tantes, des cousins, des cousines en Europe. Pour la plupart, ça fait 20 ans qu'ils y sont. Ça fait 25 ans qu'ils y sont. Ça fait 30 ans qu'ils y sont. Oui, ils vous ont toujours apporté de quoi survivre. Ils vous ont apporté, ils vous ont donné de l'argent. Ils ont peut-être construit au Cameroun et tout. C'est bien. Quand tu avais un problème, tu avais 200 euros, tu avais 300 euros qui arrivaient. C'est bon. Mais si tu te rends compte, ça fait peut-être 3 ou 4 ans, toi qui recevais 1000 euros tous les mois de ta grande soeur, de ta tante, de ton oncle, tu n'en reçois que 300 ou 400. Crois-moi, ça va aller décroissant. Bientôt, tu n'en recevras plus que 50. Et après, plus rien. Imagine-toi que ton oncle ou ta tante ou ton cousin ou je ne sais pas qui, ton cousin prendra sa retraite bientôt. N'aura plus la possibilité d'avoir 3 ou 4 boulots. Ce serait quoi? Ce serait le déclin de la famille. La personne qui soutenait la famille hier, aujourd'hui ne peut plus soutenir cette famille. Qu'est-ce que tu vas devenir, toi? Que vas-tu devenir? Tu as une grand-mère ou une maman qui a 70 ans, qui est malade, qu'il faut au minimum 300 000 francs par mois pour pouvoir soigner maman. Ah, tu vas accompagner maman vers sa mort. Impuissant. Tout simplement parce que tu as passé le temps à espérer que tout viendra de ta grande sœur, de ta tante, de ton oncle, tout viendra de l'Europe. Tu as eu le robinet qui coulait à flot. Et même quand le robinet a commencé à tarir, tu n'as pas manu à brand. Tu n'as pas fait réfléchir ton cerveau pour dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas me retrouver demain en hiver comme la cigale. J'ai tellement chanté, maintenant je me retrouve à la situation de la cigale, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, je vais te dire ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est que tu as passé ton temps à soutenir Paul Biya. A dit Paul Biya, ayop. Au lieu que Paul Biya, lui, pense à ton devenir, à ton avenir, à l'avenir de tes enfants, à l'avenir, à la sécurité sociale de ta mère, de ton père, ta sécurité sociale. Paul Biya et ses affidés à qui tu as toujours chanté les louanges, lui a pensé à l'avenir de ses enfants, à lui, de Brenda Biya, de Franck Biya, de comment il s'appelle, le Didier Biya, le jumeau Biya. Il a pensé, lui, Paul Biya, à comment Gamoudou Messi va acheter une maison en Suisse, aux États-Unis. Paul Biya, lui, il pensait comment son ami, lui, Paul Motazé, va avoir une villa à Habsbourg ou bien à Genève. Lui, Paul Biya, il a pensé comment Ketia Koutès pourra avoir un immeuble particulier à Paris au 20e ou au 18e ou au 16e
Voilà ce que Paul vient à penser, mais pas à toi. C'est ça la vérité. Quand Brenda Bia a mal à la tête, elle prend un avion, claquement de doigts, et elle est à Paris, elle se fait soigner. À la Salpêtrière, où elle se fait soigner, à Neuilly-sur-Seine, ou je ne sais pas, à la plus grande clinique, où elle va en Suisse. Quand elle est malade, la chambre de Brenda Bia ou de Franck Bia ou de quoi, ça coûte au moins 5 000 euros la journée. Elle a des infirmières de luxe. Pendant ce temps, quand toi tu es malade, tu vas à l'hôpital et l'infirmière t'appelle. Où est le monsieur qui a la chauve-souris là? Non, ah non, pardon. La chauve d'épices. Elle est dans son bureau, elle dit. Hé, le monsieur qui a l'insuffisance rénale là, tu peux venir. Ah non! Le monsieur qui a le sida, tu peux venir. Ah non, le monsieur qui a la COVID-19 avancée chronique là, qui a les cheveux blancs avec le pantalon rouge là, vous pouvez avancer. Quand tu arrives en Suisse, tu veux voir Brenda Bia, on te demande, monsieur, vous êtes de la famille, monsieur? Vous pouvez déposer... Est-ce que vous êtes fait vacciner, monsieur? Vous avez une autorisation? Vous avez une attestation? Et quand on veut parler à Brenda Bia, Mademoiselle Yenga, est-ce que vous avez faim? Mademoiselle Yenga, excusez-nous, nous allons vous faire une belle petite injection. Écoutez, c'est doux, souriez, pensez à X ou à Y. On fait rire Brenda avant de l'injecter. Pendant ce temps, il y a la manicure qui coupe ses ongles. Toi, quand tu vois le bistouri du chirurgien, tu dis au chirurgien, hey, boum, l'opération que tu veux me faire là, boum. Avec l'épée là, non, j'ai déjà guéri, ça va, je suis guéri, il n'y a rien, c'est bon, boum. Brenda Bia, son bistouri, c'est quoi? C'est des robots, hein? On place sur le ventre, hein? Et puis ça, doucement, ça fait une petite... On va lui dire, vous allez entendre une légère piqûre, non, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la sonde qui, hein, qui va se balader tranquillement comme un petit serpent dans votre joli intestin grêle. Tu vois? Oh! Et tu dis, Paul Bia, Anabe, Paul Bia, Shoga, tu danses, Paul Bia, Shoga. Ton enfant est là. Mes frères, prenons tous conscience. Ce qui se passe en Golmakoubik, c'est la même chose qui se passe à Dizangé. C'est la même chose qui se passe à Yokadouma. C'est la même misère qui se passe à Bangante. C'est la même misère qui se passe à Koba. C'est la même misère. Hein, qui se passe partout au Cameroun là. Ça ne va pas. Et la seule issue, c'est la rue. Et le mot d'ordre dans la rue, c'est dégager. C'est allez-vous-en. C'est partez dans vos pays. C'est retourner là où vous êtes venus. Hors de cette maison, enfant de Satan. C'est la seule chose qui vaille. C'est la seule chose qui compte. Préparons-nous à affronter les démons. Qui n'ose pas affronter les démons ne se libère pas du Satan. C'était la brigade anti-Sardina, France, Calibre Calibro, fils du planteur, Dre, Jordan Nana, Cyril, Lapiro, Tessie, Suzanne, Diane, c'est tout cet ensemble. Et il y en a plein d'autres. Kael, mon cher Kael, je te souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Willy de Paris, attends les Camerounais. Samedi, à partir de 14h, porte de Saint-Ouen, pour une possession, je pense, jusqu'à l'ambassade du Cameroun. Soyez avec la famille de Carolina. Mais il est temps que nous pensions à changer le Cameroun. Je vais vous dire, des cendres de la dictature naîtront la démocratie au Cameroun. Des cendres de la dictature n'éclant le Cameroun nouveau que nous voulons bâtir tous ensemble. Et je ne parle que des cendres de la dictature et rien d'autre. Rien d'autre. Nous devons brûler, nous devons casser, nous devons détruire tout symbole lié de près ou de loin à la dictature. C'est ainsi que nous sauverons le Cameroun. Nous ne devons pas attendre que le plan machiavélique soit définitivement mis sur pied pour réagir. Nous devons commencer à réagir maintenant.
Il y a des personnalités qui tirent l'alerte, la sonnette d'alarme, l'alerte, qui nous avisent, qui nous disent que ça va se faire. Et ça se fera, c'est en train de se faire. C'est même déjà fait. À nous de prendre nos responsabilités. Le combat, c'est vous au Cameroun. Nous ne sommes que des sentinelles. Nous ne sommes que des éclaireurs. Et nous vous alertons sur le danger qui arrive et que vous, vous êtes conscient de ce danger. Mes frères camerounais, la liberté ne s'est jamais donnée. Aucun peuple n'a eu sa liberté par un sourire avec l'arbre de la paix. Je parlerai de la colonisation. Les peuples africains, pour la plupart, et le Cameroun en tête, se sont battus pour la décolonisation de l'Afrique. N'oubliez jamais que le Cameroun est le précurseur de la lutte acharnée contre les colons. Et en tant que Camerounais, nous devons être les précurseurs de la lutte acharnée contre la dictature. Et je peux vous dire que cet éveil-là, cet esprit de lutte, cet esprit de liberté coule dans les veines de chacun d'entre nous. Chaque Camerounais est forgé dans le fer d'un guerrier. Chaque Camerounais est un volcan en sommeil. Et je sais, et j'en suis conscient, ça va arriver. Quand le volcan qui sommeille à chacun d'entre nous va se réveiller, alors le Cameroun va se libérer. Et le plus tôt sera le mieux. Mettons ensemble nos énergies, mettons ensemble nos consciences. Oublions un temps soit peu les hommes politiques, oublions les élites, surtout les élites, ils n'ont rien fait. Regarde ton village, est-ce qu'il y a la route mieux dans ton village qu'à Yaoundé? Non. L'élite politique, s'il y a la route, c'est celle qui va de chez lui à la nationale et nulle part ailleurs. C'est parce que lui, il habite là, qu'il a mis sa route, c'est sa route, pas la tienne. Elle n'est pas populaire, elle n'est pas une départementale, c'est une route privée pour la plupart. Regardez ces élites quand ils sont malades. Où est-ce qu'ils vont se faire soigner? Est-ce que c'est dans nos villages? Non, ils vont se faire soigner à Paris, à New York, au Luxembourg, un peu partout au monde, mais sauf au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au Cameroun, ce sont des mouroirs et pas des hôpitaux. Et les hôpitaux, c'est pour eux. Les mouroirs, c'est pour des pauvres comme toi et moi. Prenons tous conscience. Ce n'est pas parce que celui qui est au pouvoir appartient à une ethnie qui est la nôtre que nous devons à tout prix gober ce qu'il fait. Ayons le sens de la dénonciation et non le sens du discernement. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Je prends les miens et je peux vous dire que je paye les frais des responsabilités que je prends. Pas seulement moi. Quand ça devient intéressant, ils essaient de couper. Il y a des milliers de combattants qui payent les frais du combat que nous menons. Chacun d'entre nous à son niveau, à son degré. Mais chacun paye des frais. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau financier, que ce soit même au niveau des casiers judiciaires. Il y en a qui payent. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas l'exception. Nous payons tous. C'est aussi à vous de nous aider à aller plus loin, plus en avant. Et le bonheur, moi je l'ai déjà ici. Je peux me faire soigner gratuitement. Je me fais soigner gratuitement. Je peux me faire opérer, quelle que soit l'opération, gratuitement. Le bonheur, ce serait pour toi. C'est toi qui auras le sourire de pouvoir envoyer tes enfants à l'école. Que ces enfants ingénieurs devenus puissent avoir du travail, puissent avoir une vie décente au Cameroun. Que ces enfants devenus ingénieurs pour avoir un poste ne puissent pas baisser leurs pantalons, ne puissent pas devenir des PD ou des lesbiennes pour pouvoir vivre. S'ils deviendront des PD, ils le choisiront d'eux-mêmes. Ce ne serait pas une obligation salariale. S'ils deviendront des lesbiennes, je n'ai rien contre. Ils le choisiront. Ce serait leur propre initiative, mais pas forcée parce qu'ils veulent vivre. Quelque chose qu'on fait de soi-même est plus honorable que quelque chose qu'on fait par contrainte. Chaque Camerounais doit prendre conscience. Mon obstant, l'ethnie, ce n'est pas parce que c'est un Boulou, c'est un Béti, c'est un Bamileke, c'est un Douala qui est au pouvoir que la ville de Douala est devenue la lumière du Cameroun. Regardez Yaoundé, qu'est devenu Yaoundé, une épave, une locumène. Regardez Douala, qu'est devenu Douala avec toutes les personnalités Douala qui sont passées. N'eût été des halogènes, comme on dit, Douala serait toujours resté un village. Idem pour Yaoundé. Alors mettons-nous ensemble. Il y a un principe qui dit,
Et c'est valable partout, peut-être sauf au Cameroun. Chaque Camerounais, citoyen camerounais, qui a acquis ou de quelque manière que ce soit la nationalité camerounaise, est chez lui au Cameroun. Ça ne peut pas être valable pour le football. Qu'un Camerounais qui est blanc tout blanc comme Jean Bourguignon de Normandie, parce qu'il a un parent camerounais, on lui dit « Ah oui, il est camerounais, il est chez lui au Cameroun. » Et qu'on dise à un autre « Oui, tu es camerounais, mais le chez toi, c'est Bafoussam. » Non. Un Camerounais, d'où qu'il est, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est chez lui au Cameroun. Mes frères, l'équilibre de la terreur fait régner la paix, disait et aime le dire fils du planteur. Ensemble, nous sommes plus forts. La nation nous appelle. Battons-nous pour la nation ou taisons-nous à jamais. Battons-nous pour empêcher cet ultime hold-up qui est en train de se préparer et qui est en cours. Ou taisons-nous à jamais. Battons-nous contre ce coup d'État institutionnel, anticonstitutionnel qui est en train de se passer. Ou taisons-nous à jamais. La lutte est la seule voie pour libérer le Cameroun. Je vous souhaite une agréable journée. Bien des choses à vous. Je vous donne rendez-vous. Willy de Paris vous donne rendez-vous. La diaspora camerounaise vous donne rendez-vous. Samedi, 30. Au micro Saint-Ouen. Avec la famille de Caroline et avec les familles des milliers de Camerounais tués chez nous au nord et au sud-ouest par notre armée. Aux ordres de Biya Bin Vondo, joignons-nous à ces personnes-là pour demander la paix au Cameroun. La paix, c'est une bonne chose. Nous voulons aussi le départ de la dictature et de tout son système. Bonne journée à vous. Bonne guérison à toi, fils du planteur. Bon courage.